Avec mon petit compte à rebours, avec une bulle, le ridicule ne tue pas, alors viens que je, en espère que le strike de YouTube ne me tue pas, que les phoenix qui font ce but sur moi, sinon sort ton esprit tordu, ton petit cul, et surtout continue. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Ludovic59820. Si vous êtes sur cette vidéo-ci, c'est que vous êtes sur une vidéo montage. Alors, je vais vous montrer ma multiferme à autosuffisance. C'est-à-dire pour qu'elle produise son énergie pour elle-même. Donc, en haut, voici une ferme à squelette et à sorcière. Bon, vous voyez pas très bien les personnages. Il y a un pack de ressources qui a été activé et qui modifie les mobs. Donc là ici c'est la chute pour les sorcières surtout. Ici. Et si à cet étage là, ici c'est la ferme à bambou. Non, attendez. La ferme à bambou et ici la ferme à canne à sucre. Ça va un peu vite pour la vidéo, voir comment le mécanisme fonctionne. Donc voici comment qu'est-ce que j'utilise comme mécanisme pour pouvoir faire fonctionner le système à Redstone en fait. Et voilà. Et voici qu'est-ce qu'on peut récolter en quelques minutes quoi. Ah, en quelques minutes ou en quelques temps quoi. Allez. Alors c'était la fin de vidéo. Si vous avez apprécié, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu. Bon, je vous présente ici parce que moi, c'est mon décoration. Ou en bas de la ligne rouge. De vous abonner pour voir les vidéos à venir et anciennes, si vous voulez. Si ça vous a plu, bien sûr. Allez, je vous dis salut à tous.